Ouais, ça va? Ouais, ça va? Ouais, bah écoute, tranquille, ouais. Je viens de terminer Sonic Colors Ultimate là, sur Switch. T'y avais pas joué à l'époque? Ouais, bah écoute, je sais pas, c'est pas ouf quand même. Hein. Enfin, après, c'est peut-être moi, parce qu'apparemment, il y a des gens qui aiment, hein. J'ai vu ça sur YouTube, même sur Twitch. Mais perso, je comprends pas, quoi. Je trouve ça juste injouable. T'as l'impression que ça va vite juste pour le principe. Level design il est vide, du coup quand tu te cognes bah t'es tout lent et du coup tu dois traverser des trucs immenses. Enfin je sais pas, c'est pas inspiré, la mise en scène est pas ouf. C'est tout le temps tu sais les mêmes effets de caméra quand tu fais un espèce de looping ou genre de choses. Je sais pas, même les musiques elles sont pas folles. J'y avais joué déjà sur Wii il y a presque 10 ans. Tu sais, c'était le jeu, il était sorti, enfin en tout cas le Sonic Colors, il était sorti à la fois sur DS et sur Wii, mais c'était pas les mêmes développeurs. Sur Wii, c'était la Sonic Team, et sur DS, c'était Dimps, le studio qui a fait Street Fighter 4 notamment. Donc il était sorti, les deux étaient sortis en même temps, et c'était terrible en fait, parce que la version DS, qui faisait vraiment Sonic classique, bah, elle était mieux en fait que la version Wii, qui était elle, tout en 3D. Et la version, en plus, la version DS était pas non plus folle hein, comparativement au Sonic Advance sur Game Boy Advance, mais bon, c'était quand même déjà mieux que la version Wii. Et donc Colors, c'était, je dis Colors parce que c'est vraiment Sonic Colors. C'était censé être la suite de Sonic Unleashed. Tu sais, c'est le Sonic où il y avait un loup-garou en plein milieu et donc qui était déjà bien mauvais. Et c'était juste après en fait qu'on a eu le renouveau, je mets des grosses guillemets, de Sonic avec Sonic Mania et Sonic Generation qui pour le coup eux sont des bons jeux. Enfin c'est peut-être parce que j'ai jamais tellement aimé les Sonic Adventures que je ressens rien quoi en fait en jouant à Colors, je sais pas. Peut-être que les fans des Sonic sur Dreamcast y trouvent leur compte, mais bon perso bah, j'ai du mal. Bah si tu veux passer l'essayer, bah ouais, enfin tu pourras même repartir avec le jeu si ça te plaît. Ça marche. Ça marche. À tout à l'heure, bisous.